Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle grande rencontre dans cette belle salle de l'Hôtel de Ville. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être assisté à d'autres rencontres à l'Hôtel de Ville. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'anime une rencontre ici. Je trouve que nous avons bien de la chance. C'est une très belle salle et j'espère que nous allons être à la hauteur des lieux qui nous accueillent, mais je n'en doute pas avec les invités que j'ai le plaisir d'interroger aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, sans doute, mais dont je vais vous rappeler évidemment les noms et donner les titres de leurs ouvrages autour desquels nous allons nous entretenir aujourd'hui. À ma droite, Serge Joncourt, que vous connaissez, enfin je dis ça, mais je pense que vous le connaissez, en tout cas ce n'est pas la première fois que vous venez à Nancy, ça c'est certain. Oui. Voilà, c'est même, vous êtes un habitué, je dirais. Oui. On peut dire ça. Serge Joncourt, auteur d'un livre intitulé « Nature humaine » aux éditions Flammarion. À votre droite, Serge Chabimolia, romancier, cinéaste aussi. Bonjour. Par ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est en tant que romancier qu'on vous interrogera. Votre nouveau roman s'intitule « Des jours sauvages ». Il est publié aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Chabimolia, je n'ai pas compté, et je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est votre combientième roman ? Je crois que c'est le sixième. Sixième. Voilà. Donc on peut dire que voilà, vous êtes un auteur qui commence à être bien installé. Et à votre droite, Franck Bouys, auteur de « Buveur de vent » aux éditions Albin Michel. Bah, Franck Bouys, on vous connaît aussi pour plusieurs livres, hein, mais votre précédent notamment a été un succès magnifique. Voilà. Et nous allons parler donc de « Buveur de vent » aujourd'hui. Vos livres ont été réunis. Alors évidemment, on ne va pas tous les réduire à une même esthétique ou à une même thématique. Vous abordez chacun les choses différemment, mais ils ont et on le sent intuitivement d'abord d'après leur titre et dès les premières lignes, dès les premières pages, effectivement, vous mettez en scène des héros dans un cadre qui est, alors c'est très simple de dire ça comme ça, mais qui est la nature, grande nature, les grands espaces. Et chacun de vos personnages, ou en tout cas dans chacun de vos livres, on peut envisager un rapport. Que vous abordez la relation des hommes avec la nature sous un angle qui est le vôtre, heureusement. Et nous allons essayer de voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire pour un romancier d'écrire en se confrontant à une relation particulière, de mettre des personnages dans un cadre qui est celui de la nature, peut-être pour certains de la ruralité. Mais toute nature n'est pas la ruralité, et donc nous n'allons bien sûr pas réduire nos questions à cela. Je commencerai peut-être par vous, Chabimolia, en rappelant le point de départ de votre roman, mais ma question, je l'anticipe, sera si le point de départ de ce roman est également le point de départ de votre écriture. Dans votre roman, alors... Ça semble d'actualité, mais évidemment, ça a été écrit bien avant la période actuelle. Il y a une épidémie qui se propage en ville, et donc les personnages doivent fuir, et une partie des personnages s'enfuit en bateau. Ce bateau échoue et il se retrouve sur une île. Jusque-là, on est sur un schéma assez classique de la Robinsonade. Bon. Ce qui est, et ils doivent réapprendre à vivre. Ce qui est plus original, c'est que évidemment, on se dit, ils sont isolés, ils vont vouloir rentrer chez eux. Bon, voilà, donc ils vont inventer, est-ce qu'on va construire un bateau pour rentrer, voilà. Mais là où la mécanique se grippe un petit peu, c'est qu'une partie des personnages, finalement, se trouvent très bien sur cette île et réinventent un mode de vie différent que celui qu'ils connaissaient et n'ont pas envie de le quitter. Est-ce que ce point de départ était aussi le point de départ de votre désir d'écriture, ou est-ce que ça se trouve comme ça ? Alors effectivement, j'ai pas écrit le livre pendant le confinement. J'aurais adoré, hein, si je pouvais écrire un livre en deux mois, je serais fou de joie. Donc j'ai commencé il y a quelques années, et c'était le vrai point de départ, c'est l'envie d'écrire sur une île, et peut-être sur ce qu'on appelle maintenant l'effondrement. Le mot est devenu assez à la mode depuis quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire une situation où des gens se retrouvent brutalement transportés dans un monde
qui n'est plus du tout celui qu'ils ont connu et celui dont ils se disaient il sera toujours là. Donc j'ai eu envie de Lille pour ça. Et après, quand on réfléchit à ce qui pourrait produire l'effondrement, alors j'ai commencé avant Donald Trump, donc aujourd'hui je dirais qu'on peut penser que l'arme nucléaire pourrait produire un effondrement, mais en fait assez vite, quand on réfléchit à ce à quoi on est vulnérable, on s'aperçoit que les scientifiques nous disent que c'est vraiment à la maladie que nos civilisations sont très vulnérables. Donc quand on veut imaginer une situation où tout bascule, assez vite, on arrive à l'hypothèse de la maladie, d'une maladie hors de contrôle, et d'un... Bon, voilà, c'est, au fond, c'est un confinement qui dure plus longtemps que celui qu'on a connu, mais c'est cette situation-là de coupure. Et j'avais envie de m'immerger avec les personnages dans cette situation où les repères du quotidien n'ont même pas bousculé, ils disparaissent. Il y a des métiers qui ne servent plus à rien sur une île déserte si vous êtes informaticien. Il y a des objets qui deviennent des objets anachroniques, tout ce qui est électrique. Et puis il y a cette nature qu'on ne sait pas forcément nommer, dans laquelle on ne sait pas forcément évoluer. Donc voilà, ça rebat les cartes. On ne sait pas forcément ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Voilà, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais moi j'ai trouvé intéressant de me confronter à l'écriture de la nature et à l'incapacité dans laquelle j'étais de le faire au départ. Ça, on va en parler tout de suite, si vous voulez bien. La curiosité naïve ou faussement naïve que je vais avoir, c'est comment, quand on est un écrivain, qui j'imagine urbain, se projette-t-on dans une île sauvage et inconnue, et comment écrit-on de manière crédible, parce que je précise que votre livre est crédible quand on le lit, comment se projette-t-on dans cette nature qui ne nous est pas spontanément familière, me semble-t-il, à moins que vous ayez vécu sur une île déserte pendant quelque temps pour les besoins du livre. Alors j'ai fait des petits exercices d'ensauvagement, je vais vous raconter, mais vraiment, moi j'aime bien partir dans l'écriture d'un livre que je ne sais pas écrire. Si je sens qu'un livre, je sais comment le faire, a priori, je vais abandonner au bout de quelques pages. Donc là, il y avait vraiment un défi. Et ce défi, avait à voir avec mes précédents livres et avec la manière dont je me définissais. C'est-à-dire, je me définissais comme quelqu'un qui n'écrit pas le paysage, qui ne sait pas faire ça. Voilà. J'adore les descriptions de forêt chez Tolkien et je les adore comme quelqu'un qui ne sait pas faire ça. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du défi. Ensuite, c'est une île qui est au milieu de l'Atlantique. Et déjà, l'étonnement commence parce qu'en fait, je crois que à moins qu'il y ait des géographes dans la salle, on ne sait pas très bien s'il y a des îles au milieu de l'Atlantique. On ne sait pas très bien combien il y en a. On ne sait pas très bien. Voilà. Donc, les personnages sont sur une île dont certains se disent, mais elle existe ou pas ? On est dans les limbes, on est dans le monde d'après où on est toujours. Voilà. Et ils ne savent pas parce qu'il y a l'épidémie faisant ses ravages, il n'y a pas d'avion dans le ciel, il n'y a pas de bateau à l'horizon, donc très vite, ils se demandent s'ils sont les derniers survivants. Et cette île, je l'ai construite à la fois en la rêvant, parce qu'elle est comme ça, c'est une île de fiction, et en même temps, en essayant de me documenter, mais de me documenter d'une manière incohérente. Donc en fait, j'ai travaillé à partir de ce que j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande, et j'ai travaillé à partir de ce que j'ai pu... Vous êtes allé en Nouvelle-Zélande ? Je suis allé en Nouvelle-Zélande. Et je me suis enfoncé aussi dans un bout de terre bretonne. Et mon île, elle juxtapose des réalités qui sont a priori pas juxtaposables sur notre terre, mais en même temps, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a des choses, c'est difficile de les écrire si on ne les a pas expérimentées. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, je me souviens très bien, à un moment donné, d'entendre un oiseau qui faisait vraiment un bruit de jingle de jeu vidéo. Il faisait un bruit complètement artificiel. Et je me suis dit, mais ça, j'oserais jamais l'écrire si je n'en suis pas directement le témoin. Donc voilà, il y a l'expérience directe de ça. Alors j'ai essayé de m'ensauvager sur mon bout de terre bretonne, donc en m'obligeant à... Alors je ne suis pas allé jusqu'à me dévêtir pendant des mois, mais j'ai voulu vraiment me mettre dans la situation de quelqu'un qui ne vit plus parmi les hommes. Et ce que j'ai trouvé concrètement fort, ça veut dire quoi? Vous êtes resté quoi, une semaine, deux non, jours, non, 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 un non, mois non, non, c'est pas aussi radical seul que ça. En Bretagne, c'est pas aussi radical que ça, mais c'est
C'est vraiment ce moment où vous décidez que pendant 8 heures d'affilée, par exemple, vous allez plus bouger et vous entendez les vagues. Et ça, c'est à la fois une expérience très belle et c'est vite insupportable. Et je pense, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je pense que ce qu'on nourrit par rapport à la nature, c'est des rapports. Enfin, moi, mes rapports, ils sont très ambivalents. J'aime et j'aime pas. Je me rêve en ermite basque et je dis à ma compagne, on devrait aller vivre dans une cabane du Montana. Et en même temps, au bout de 4 heures, tout seul, immobile dans la nature, je suis pas bien, quoi, parce que je suis sociable. Et ce rapport-là qu'on a très ambigu, en fait, au monde qui serait le monde autre que celui des hommes, c'est ça que j'ai voulu transmettre, en fait, qui m'a servi en tout cas de point de départ, de me dire ces naufragés, à la fois, ils sont dans une île très accueillante, très belle, très, très neuve, et c'est merveilleux, et en même temps, quelque chose du monde d'avant n'est plus là, qui leur manque profondément. Les choses les plus simples, les choses les plus prosaïques de l'existence se mettent à manquer. Et moi, je suis toujours un peu comme ça. Et le confinement, je l'ai vécu justement sur ce bout de terre bretonne, et j'étais comme ça, c'est-à-dire, à la fois, c'était cosmique, et en même temps, je disais à ma compagne, je cherchais le moins de prétexte pour aller au Super U, entendre des voix. Je disais, mais on a besoin de DK. Non, on n'a pas de DK, on a besoin de DK. Hop, et je prenais ma voiture et je fonçais au Super U, juste parce que les gens me manquaient. Et je crois que ce rapport d'attirance et de répulsion, il est au cœur de nos vies urbaines, en fait. Alors, comme vous me donnez cette perche, je vais la tendre à Serge Joncourt, parce qu'il me semble que ce qui est profondément aussi au cœur de votre livre, donc de Nature humaine, c'est cette même ambivalence à l'égard de la nature, notamment, alors il y a plusieurs personnages, mais notamment une jeune Allemande de l'Est qui arrive dans cette campagne française qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre et par laquelle elle est complètement subjuguée, où elle se sent étonnamment libre et bien et heureuse, mais alors pas une seconde, en fait, elle envisage d'y vivre. Oui, c'est vrai. Est-ce que cette ambivalence, pour vous, est le cœur ou le moteur de l'écriture, ou l'un des moteurs de l'écriture de Nature humaine ? Oui, c'est un peu un roman binaire comme ça, entre urbains et ruraux. Voilà, on va dire. Parce que, d'une certaine façon, ça nous concerne tous plus ou moins dans nos généalogies, le fait d'avoir été, ou d'avoir encore des parents dans un même agriculteur, la famille, toujours en milieu rural, qui eux, c'est mon cas, qui eux n'ont jamais projeté aucun désir de ville, quoi. Hein. Je pense que ma grand-mère n'avait jamais vu la mer et Paris pas plus, quoi. C'était pas un problème. Par contre, une ville à 20 km, c'était déjà un horizon presque inatteignable. N'exagérons pas, il y avait le car, mais enfin quand même, à quoi ça servait d'y aller, la grande ville, oui. Et en même temps, il y a des générations à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais jusque dans les années 70, 80, nouvelle génération, il y a ce désir de la ville, quoi. Oui. De l'urbanité et de la civilisation, hein, c'est compréhensible. Donc moi, j'ai choisi cette famille là, dans les années 70, trois sœurs, un garçon. Les trois sœurs ne rêvent que de ville. Alors comme c'est dans le Lot, la ville, c'est Toulouse, avant tout, quoi. Et puis pour les plus ambitieux, ou les moins ambitieux, Paris. Hein, alors que le garçon, lui, va rester là, voilà. Et ça, cette fracture, c'est un peu quelque chose. Ben moi, je me situe un peu, oui, sur cette ligne de fracture, c'est-à-dire en ayant quand même choisi de vivre en ville, mais même si je passe 2 mois par an à la campagne, voire plus, et en même temps, une fois que je suis là-bas, je suis pas complètement citadin, mais une fois que je suis là-bas, je suis pas rural non plus. Alors évidemment, je peux filer un coup de main, des choses comme ça, mais enfin bon, on va toujours me renvoyer le fait que je suis pas complètement. Vous savez pas faire. Oui, après, c'est en même temps une sorte de jeu, hein, mais j'imagine. Mais il y a quand même cette idée-là que bon, bah, lui, il est plus d'ici, quoi. Enfin bon. Ouais. Et ça, ce mouvement-là, on l'a appelé l'exode rural, et c'est quand même exode, c'est pas un mot léger, quoi. Hein. Et on en vient tous, hein, de cette forme de migration-là. Quoi. Et le paradoxe, c'est que
depuis quelques mois, on rêve presque du mouvement inverse. Et ça, c'est un peu une nouveauté dans notre civilisation, quand même, de se mettre à rêver. Je vais essayer de parler un quart d'heure sans dire le mot confinement, mais c'est dur. Hein. C'est difficile. Ici, mais pendant le confinement, eh ben, on rêvait tous d'être comme Alexandre, c'est-à-dire au milieu des champs, des prés, des... Parce qu'il est agriculteur, et pour revenir au thème de votre table ronde, hein, qui n'est pas ronde d'ailleurs, mais bon, la nature, il faut se dire une chose quand même, c'est que les agriculteurs sont eux aux premières loges, sont au contact de cette nature, c'est-à-dire qu'ils la connaissent. Vous voyez, alors un agriculteur ne saurait peut-être pas dire quelle est la charmante plante verte qui me tient compagnie, là, quelle est sa nature exacte, son nom, elle doit venir de tropical, ça. C'est pas d'ici, quoi. C'est non pas à moi qu'il faut demander ça. Vous êtes de la région, non? Pas du tout. Non, c'est Lorrain, précisément. Ça, c'est une spécialité. Je ne connais pas cette plante. Si non, je ne sais pas. Connaît, non, mais bon, non, je ne la connais pas. Et je suis certainement bien moins savante que vous sur le nom des plantes. Ben voilà, je vous fais confiance. Un détail, voilà. Quand on voit un champ, on voit des vaches quand on vient en train, qui sont dans les prés, comme ça, et on voit de l'herbe. Mais en fait, l'agriculteur ne voit pas de l'herbe, il voit du régrasse, de la fétuque ou que sais-je, du trèfle, enfin, une sorte de composition pour faire une prairie, quoi. Bon, ben, oui. Donc, ces agriculteurs, d'une certaine façon, on a un peu tendance à charger en ce moment, à accabler, ils étaient porteurs de tous les maux et de toutes les dérives. Il n'empêche qu'eux, ils la connaissent très précisément, cette nature, et ils sentent jusqu'à la santé des arbres. Moi, Et c'est avec, justement, pour nous qui ne sommes pas agriculteurs et qui sommes comme les héros du roman de Chabi Molia et comme certains donc, de vos personnages, et la jeune Allemande de l'Est notamment. Constance, j'ai oublié. Oui. Constance, oui, Oui. Parce que vous m'aviez posé une question sur elle. Mais voilà, c'est pas grave, on y revient. En revanche, moi j'ai perdu du coup le début de ma phrase. Ces personnages, nous rêvons tous de la campagne, comme vous l'avez dit, et d'autant plus depuis le confinement, mais en même temps ça reste un fantasme, parce que quand on y est, on est comme Chabi Molia, on a juste envie d'aller au supermarché pour voir des gens et acheter du déca. Du déca. Bon, c'est l'anecdote que Chabi Molia oui. Donnait. Mais... Moi je préfère la ricorée, c'est un peu une ligne de fracture avec... On oui. Peut aimer la campagne sans avoir envie d'y vivre. Oui, mais pardon pour l'anecdote du Super U, mais enfin, c'est aussi quelque chose. L'hypermarché, c'est un moment, ce qui a symbolisé pour moi, en tout cas dans les oui. années 70, une forme d'invasion à l'envers. C'est-à-dire que c'est le registre du citadin qui vient coloniser la campagne oui. au travers de structures comme ça, gigantesques, qui à l'époque, au départ, dans mon souvenir, s'appelait Mammouth. C'est-à-dire que. Déjà dans l'appellation, il y avait une affirmation. Quoi. Le mammouth était là pour tout écraser. Il écrasait les prix, mais le reste aussi, et y compris les terres les plus fertiles, qui sont de fond de vallée, qu'on goudronnait, on mettait des parkings sans arbres, tout ça. Ça ruisselait comme ça directement dans les rivières. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et ces hypermarchés, on en a fait de plus en plus et on continue à en faire. Vous voyez, et ça fait 40 ans, 60 ans même, qu'on se pose la question de à quel moment il va falloir arrêter. Enfin bon, donc, l'hypermarché, ça n'est pas qu'anecdotique. Hein, parce que Tout à fait. N'est-ce pas, Chabi Molia? Oui. Non, je plaisante en rebondissant sur l'anecdote qui n'en est pas une du supermarché. Effectivement, comme dans votre roman, finalement, vous, moi, enfin un peu moins Serge Joncourt, puisqu'il a grandi, enfin vous. Moi, si je me trompe, mais donc à la campagne. Mais nous sommes des citadins, nous rêvons, comme vos personnages, nous sommes très bien à la campagne, mais en même temps, on peut avoir envie d'en partir aussi. On a besoin des autres. Oui, en fait, moi, quand j'ai écrit ce roman, j'étais évidemment très conscient de prolonger une tradition littéraire très longue, hein, qu'on appelle la Robinsonnade. Donc ces récits de naufrages qui ont donné lieu d'ailleurs à des naufrages à l'intérieur des villes. Je pense à un roman de J.J. Ballard qui s'appelle L'île de béton, qui est une Robinsonnade au milieu comme ça d'un nœud autoroutier. Mais il me semblait que peut-être qu'aujourd'hui, ce qui rendait cette histoire de... Enfin, pourquoi on se demande aussi pourquoi on a envie d'écrire un livre, pourquoi j'avais envie de raconter cette histoire d'île, cette histoire de naufrage. Il me semble que le désir... de fuir hors du monde, il a toujours existé,
Mais aujourd'hui, il est fort parce que le monde, on le sent, est de moins en moins habitable. Il y a quelque chose sur l'inhabitabilité du monde, c'est-à-dire sur le fait que ça se réchauffe, ça va mal. Et donc, on a, moi en tout cas, j'ai chevillé au corps cette envie de m'échapper. Et puis, ça peut être s'échapper d'un monde trop chaud ou d'un monde où la géopolitique nous inquiète, mais ça peut être aussi s'échapper de sa propre vie, c'est-à-dire on se sent toujours un peu à l'étroit, trop identifié, trop assigné à des rôles, etc. Et donc, l'île, ça devient la tentation d'autre chose. Alors, c'est le cas déjà chez Michel Tournier, mais je trouvais intéressant de me dire que très tôt, moi, mes personnages allaient être complètement divisés sur cette question et qu'ils allaient vraiment avoir des gens pour se dire, en fait, c'est une opportunité. Et je pense que ça a à voir avec cette chose très paradoxale, mais qu'on a éprouvé, je suis certain que parmi vous, c'est le cas aussi au moment du confinement, c'est qu'au cœur de la catastrophe, il y a toujours un temps possible pour l'utopie. La catastrophe, c'est ce qui rend possible, en retirant comme ça l'arrière-plan de nos vies, c'est ce qui rend possible l'idée d'autre chose. Et on a tous été des petits utopistes de nos vies au début du confinement. Moi, j'ai sincèrement cru que ma vie allait changer. J'ai sincèrement cru, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques jours, ça m'a enivré, cette catastrophe. Je me suis dit, mais peut-être que tout pourrait changer, peut-être que je vais effectivement devenir un ermite, peut-être que j'irai plus au super-U, peut-être que je vais me mettre à couper du bois, peut-être que les rapports sociaux vont changer, peut-être qu'on va changer de système, etc. Puis bon, ces choses-là. Vous y avez cru combien de jours, hein ? Comment ? Vous y avez cru combien de jours ? Ben, ça a duré 4-5 jours, je crois. Mais j'étais vraiment dans un état étrange d'exaltation, parce que c'était un confinement. Moi, j'avais beaucoup de chance, c'était au grand air, c'était le contraire du confinement. Mais ça m'a interrogé. Vraiment, j'ai vécu ça comme mes personnages. J'étais en train, en plus, de terminer mon livre. C'était ce qu'on appelle la relecture des épreuves, quand le livre il est déjà maquetté, etc. Puis vous changez encore quelques virgules, etc. Et c'était marrant parce que je lisais l'histoire de mes naufragés et j'éprouvais la même exaltation que certains d'entre eux à me dire, ça y est, je suis sorti du monde et si les choses pouvaient se réinventer. Voilà. Et je crois que cette tentation, il faut faire gaffe avec toujours se méfier de ce qu'on croit être nouveau. Alors je ne vais pas oser dire que c'est nouveau, ça a sans doute existé dans les siècles précédents, mais je trouve que là, en ce moment, on vit avec la force de ce désir. Franck Bouys, tout à l'heure, Chabi Molia disait qu'il avait envie d'écrire des livres qu'il ne savait pas écrire. Et je me suis demandé si c'était aussi votre cas, parce que, me semble-t-il, ce livre, Buveur de vent, est assez différent des précédents, notamment parce qu'il décrit abondamment la nature. Est-ce que vous avez eu envie de vous confronter à quelque chose de nouveau ? J'ai pas d'envie, j'ai pas de projet ni rien quand je commençais à écrire un livre, donc c'est pas un défi, mais en tout cas ce que je savais en tout cas, c'est que je n'écrirais pas N'est aucune femme 2. Finalement, on est tous des naufragés, quoi qu'il arrive, et le romancier encore plus, le romancier que je suis en tout cas. Et il se trouve que chaque livre est une île, on y aborde. Et puis on la peuple, on y habite un moment, et puis après il faut bien la quitter à un moment donné. Et je crois que c'est, je ne sais plus quel est l'auteur espagnol qui a écrit La vitesse des choses, et il dit ça, l'eau a créé l'homme pour aller d'un point à un autre. Mais le romancier, je vais d'une île à une autre. Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur cette île, je ne sais pas quelle est la végétation, etc. En tout cas, j'ai pas d'intention profonde quand je me lance dans un livre. C'est toujours une émotion comme ça qui me happe, qui vient toujours de l'enfance, toujours, toujours. Là, il se trouve que c'était une arche de pierre. Voilà, c'était un viaduc, un espèce de monument surgi de l'enfance qui fait que j'écris une phrase. Une phrase. Est-ce que c'est pas spécialement la première phrase du roman ? Jamais, jamais. Mais voilà. C'est toujours la première phrase que j'écris. C'est-à-dire quatre îles étaient, etc. Voilà. Finalement, tous les livres sont des réécritures de l'Iliade ou de l'Odyssée, parfois un peu des deux. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose qui me dépasse à chaque fois. Les personnages prennent le pouvoir. Ces quatre gamins là,
que je ne connaissais pas. Et puis après, voilà, tout le reste de la famille. Quand vous vous mettez à écrire, vous ne savez pas qu'il y aura 4 enfants, par exemple. Ah ben, je les ai vus ce jour-là, suspendus au viaduc. On va dire, je suis un peu pas très bien. Mais j'ai vu ce truc-là, j'ai vu cette scène-là qui m'a fait écrire. Donc je ne les connaissais pas, mais en tout cas, je les voyais par jeu, suspendus. Et voilà, ils se sont mis à me raconter leur histoire, à me raconter Martha, la mère, Martin, le père, Élie, le grand-père, etc. Et puis une espèce de pandémonium là, s'est déployé à mon insu, avec des noms surgissaient de je ne sais où, avec des noms anglo-saxons la plupart du temps, alors que ben, ce Gournoir, il est plutôt cette vallée perdue, se situe pas très loin de chez moi. Mais je me dis pas. Le Limousin ? Oui. Mais je ne me suis pas dit, ben, change-les, ruralise-les la française. Non, je ne me suis pas dit ça. Non, s'il y a une raison. S'il t'arrive comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, elle est très simple. C'est que cette nature-là que je connais, puisque finalement je suis la caution rurale de l'après-midi, parce que moi j'y vis, je n'ai pas eu besoin de me confiner ou de me déconfiner. Et bien cette nature-là, j'ai eu malgré tout eu besoin de la réinventer. Je l'ai inventée, c'est-à-dire en inventant cette vallée perdue, en composant comme ça, parce qu'elle n'existe pas dans cet état-là, évidemment, il y a, avec ce barrage, cette centrale électrique, il y a quelque chose qui surgit comme ça de mes lectures de gamin, etc. Et puis toujours cette île du petit Luc, de ce petit gamin là, qui cherche l'île au trésor. Son île au trésor, parce qu'il est persuadé qu'il est la réincarnation de Jim Hawkins, du roman de Stevenson, et que son grand-père est lui la réincarnation de Long John Silver, parce qu'il manque une jambe. Mais ça vient parce que c'est un des premiers livres que j'ai lus, mais c'était l'île au trésor. Mais c'est pas. L'idée arrive comme ça, ça se nourrit petit à petit, comme ça. Et vous on l'a dit, le cadre, enfin le livre, l'action du livre se passe dans un cadre de nature assez grandiose et de nature limousine, comme vous l'avez dit. Et néanmoins, la particularité, c'est qu'il y a une usine, un barrage électrique qui est l'emblème de la maîtrise de l'homme sur la nature. Vous avez... C'est maladroit de ma part de dire, vous avez voulu, puisque vous venez de nous expliquer qu'effectivement vous y alliez comme ça et que les choses se découvraient au fur et à mesure, mais est-ce que vous avez eu le sentiment, en tout cas, d'organiser la confrontation de l'homme et de la nature ? Pas une seconde, pas une seconde. Ça, j'avais pas du tout pressenti, imaginé, supputé qu'il puisse se passer ça, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas dire ce qui va se passer, mais la quatrième partie notamment, cette révolte comme ça, je pensais absolument pas. C'était un monde figé au départ, mais vraiment complètement figé, avec ce Joyce là qui a la main mise sur toute la vallée. Je ne savais absolument pas qu'il se passerait tout ça. Et vous, Serge Joncourt, quand vous écrivez, vous savez où vous allez quand vous commencez un roman? Ou vous êtes comme Franck Buisse, vous découvrez au fur et à mesure où l'écriture vous emmène. Ah, je sais où je veux aller, oui, mais je ne sais pas par où, enfin, je ne sais pas comment. Quoi. Mais moi, le projet, c'était quand même de faire une sorte de tableau comme des années 70 jusqu'à aujourd'hui, une sorte de mouvement du monde dans lequel on est tous et qui va vers une forme de mondialisation de plus en plus systématique, de plus en plus effrénée. Bon, je la prends d'un point de départ qui est un univers familier, qui est celui de ma famille, voilà, pardon à eux, mais et puis je prends le rôle inverse, c'est-à-dire je fais celui qui reste alors que c'est moi qui fais partie. Bon. Et à partir de là, je vois comment tout ça s'organise et je veux rattacher cette histoire infime d'une famille à la grande histoire, c'est-à-dire au travers d'événements comme la première canicule, la sécheresse de 76, qui m'a marqué, même si je n'étais pas né à l'époque, évidemment. Et puis après Tchernobyl, qui était quand même une forme de crise totalement affolante, cette explosion d'une centrale nucléaire, alors que on venait de militer 10 ans avant contre les centrales nucléaires en disant que ça pouvait finir mal. Finalement, on voit que ça finit mal. Et ça, on le prend à 20h un soir. Claude Sérillon, qui d'habitude était souriant, ce soir-là, il ne souriait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc grave. Oui, un nuage atomique. Alors, ça ressemble à quoi, un nuage radioactif ? Et donc, à partir de là, cette peur... Et puis ça s'arrête aux frontières de la France. Donc Mais nous, on a de la chance. Il y a Laurent Bromède et Brigitte Simonetta qui faisaient des grands gestes.
on avait un flux d'Ouest, anti-soviétique, on va dire, qui nous protégeait, très protecteur. Hein. Il n'y a que Monaco qui a été touché, mais bon, ça, c'est bien fait pour eux, hein, après tout. Et bon, ben, ces moments-là, c'est quelque chose qu'on a en commun, de la même façon que ce passage en l'an 2000, qui est quand même, enfin, changer de siècle, changer de millénaire, ça ne vous arrive pas tous les jours, hein, par définition. C'est quand même une forme d'étape assez cruciale. En tout cas, sur le plan symbolique, c'est... Sur le plan symbolique et universel. Et en plus, en Europe, on se prend à 2 jours du réveillon une tempête comme on n'avait jamais vu, avec des rafales à plus de 200, y compris sur le Limousin, d'ailleurs. Mais moi, à ce moment-là, j'étais à Cahors. Hein, et donc, on a vu cette première tempête qui a foutu en l'air Paris, la région parisienne, et le château de Versailles, je me souviens de ça. Non pas que le château était par terre, mais les arbres, hein, la plupart des arbres du château de Versailles. Et vu d'en bas, on se disait, merci, vraiment, ils n'ont pas de chance. Hein. Et puis, pas 24 heures après, c'est la même tempête, enfin, c'est pas la même, mais la même intensité, qui fout tout en l'air. C'est-à-dire qu'on a passé la soirée, hein, à guetter que les arbres ne tombent pas sur la maison. Et qu'est-ce qu'on va faire s'ils tombent? Enfin, bon. Et total, on a passé 15 jours sans électricité. On a fait le réveillon du troisième millénaire, à la bougie. La bougie. Alors qu'on s'attendait à des voitures qui volent. Concorde volait toujours, je vous le rappelle. Hein. Concorde, ça c'était, il mettait 3 heures pour aller à New York. Ça voulait bien dire qu'en 2010, il faudrait plus qu'une demi-heure, enfin tout ça. Et il y a un moment comme ça, c'est en 2000 quand même, c'est comme une ligne de fracture pour moi. Donc, et ça, si je veux le faire, c'est parce qu'il n'y a que le roman qui peut faire ça. Pardon, je suis devant un très bon réalisateur qui plus est, Xavier Molia, mais le cinéma est plus limité, formellement, quoi. Alors que dans un roman, on peut comme ça balayer. Alors, je me suis arrêté à l'an 2000 parce que j'étais à bout de force et puis parce que déjà, il y avait 600 pages et que mon éditeur avait négocié, on en avait 150. Je suis obligée de vous poser la question. Est-ce qu'il y aura une suite? Ben oui, la suite, j'ai déjà commencé. Mais la suite, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Venir jusqu'en 2020 et inventer une forme de catastrophe écologique au travers de ce que j'observe, moi, des buis. Parce que dans ma maison, là-bas, il y a des chênes, mais il y a des buis avant tout. Et les buis sont tous crevés. Il y a fait 2-3 ans. Les buis sont morts, alors que les buis, c'était quand même une forme de symbole d'éternité, quoi. Hein. On en mettait des rameaux dans les étables pour protéger les bêtes, quoi. Bon, ben, des buis, il n'y en a plus. Hein. Ils repoussent vaguement, mais on ne sait pas bien. Ils sont morts à cause de la pyrale. La pyrale, c'est une sorte de chenille, de papillon venu d'Asie. Encore, vous voyez, comme quoi, à chaque fois, ça vient d'Asie. Mais ça nous remettait en tête, quoi. Ben, ça nous remettait en tête, ne serait-ce que la vache folle. Voilà, ça me permet aussi d'en parler, de ça. La vache folle, on l'a oubliée, cette peur-là. Alors que pendant des mois, on s'est dit, bon sang, j'ai bouffé un steak le 15 juillet 87, peut-être que, nom de Dieu, j'ai chopé le prion. Voilà. Je vais me mettre à trembler comme les moutons. Enfin bon, et ces peurs-là, on les balaye, on oublie, on interdit les farines animales, sans savoir que depuis 2-3 ans, elles sont à nouveau autorisées. Donc à nouveau, on peut nourrir des bovins avec des farines animales. Enfin bon, tout ça, voilà. Pardon, j'ai l'air de faire ample comme ça, mais c'est parce que le roman, nos romans permettent ça, c'est un espace grand ouvert, quoi. Donc il faut y aller, quoi. Et vous retournez souvent, vous nous l'avez dit, vous habitez en ville, vous retournez régulièrement quand même dans votre famille ou à la campagne, mais est-ce que malgré tout, écrire, c'est aussi écrire un roman qui se passe dans le monde rural ou à la campagne en tout cas, est-ce que c'est une façon pour vous d'y retourner et d'y être bien? Non, mais j'y retourne d'une façon naturelle. C'est-à-dire que, voilà, au mois d'août, on a ramassé les carottes après les pommes de terre. Je veux dire, ça se fait dans un... On ne se pose pas la question, quoi. Et là, tu fais quelque chose. Mais donc, quelque part, cet univers-là, je ne l'ai pas quitté, quoi. C'est un peu inscrit dans les gènes. Et puis, le pendant, c'est que ma famille ne me lit pas. Donc, ils savent... Enfin, si, ils savent que je suis écrivain, mais enfin, on s'en fout, quoi. Vous voyez, ce n'est pas le problème, quoi. Donc, je passe d'un logiciel à l'autre. Et il y a un moment, il fallait en faire quelque chose aussi de cette double nationalité. Voilà. Ouais. Bon, mais la suite, bah oui, bah la suite. C'est pareil, la suite, c'est ce que mes collègues disaient tout à l'heure. On se lance sans trop savoir. Alors, le problème, c'est que là, il y a une sorte d'échéance qui serait un peu 2020, cette catastrophe un peu invraisemblable. Voilà, là, enfin, je crois que les bornes s'imposent. 2020 nous a bien aidés pour effectivement savoir l'événement planétaire. Écoutez, je vais vous dire un truc, juste une chose. Moi, dans ce livre, j'ai mis beaucoup de moi, finalement, et en particulier, mon aversion, c'est pas plus que ma peur de l'avion, c'est... Je refuse l'avion. Bon. Là ? L'avion, vous savez le truc qui vole, là, on monte à plusieurs dedans, c'est comme un TGV avec des ailes, quoi. Mais ça, d'accord, ça, je vois mieux. Je le refuse sur le principe, parce qu'on ne trahit pas comme ça la géographie.
Là, on est venu en train, on l'épouse cette géographie. On fait pas, c'est transgressif de faire ça. Et donc, j'ai prêté à ce personnage cette forme de colère qui, en même temps, symbolise un peu la mondialisation, avec laquelle j'ai un petit problème malgré tout. C'est pas normal de plonger un être d'un biotope à un autre aussi contradictoire en 8 heures. C'est pas possible. Je veux dire. Même quand on mène une vache à un comice ou à un salon du livre, non, un salon agricole, on la met en quarantaine pendant 10 jours quand elle revient. Voyez. Donc, cette prudence-là qu'on a vis-à-vis des animaux, il faudrait aussi l'avoir pour nous. Et, d'une certaine façon, on la retrouve au travers de la quarantaine. Donc, il y a un moment. Et puis, des avions, il n'y en a plus. Donc, moi, je me sens responsable. Je me dis, mince, à force d'avoir écrit cette haine farouche de l'avion, il n'y en a plus. Pourtant, j'ai passé l'été là-haut sur le course. Normalement, vous avez, en particulier la nuit, parce qu'on cherche les étoiles filantes, mais en fait, on voit des avions, des satellites. Des avions, il n'y en avait plus. C'est quand même quelque chose, ça. Bon. Ben, ça, c'est de l'histoire. C'est de notre histoire, ça, le fait qu'il n'y ait plus d'avions dans le ciel. Quoi. Donc, il faudra bien le consigner un jour. Si ce n'est pas moi, ça sera un auteur plus valeureux, brillant et fort. En fait, si je vous avais posé cette question, c'est parce que je me souviens d'une interview que nous avions eue ensemble pour votre précédent livre et où vous me disiez « J'écris sur ce qui me manque, j'écris sur la campagne parce que c'est ça qui me manque ». Et donc, à l'inverse, Franck Buys, vous nous avez dit « vous habitez à la campagne ». Alors j'imagine que le ressort ne peut pas être celui-là. Vous ne pouvez pas écrire sur ce qui vous manque, en tout cas, c'est pas... La campagne ne vous manque pas puisque vous y êtes. Alors pourquoi éprouvez-vous, si vous le savez, ou en tout cas il s'agit d'émettre des hypothèses, pas de donner des vérités définitives, bien sûr, mais pour ce que ça vous apporte d'écrire sur ces lieux-là. Est-ce que c'est une nouvelle manière de regarder les lieux que vous connaissez, par exemple? J'écris sur mes fondations, hein, tout simplement. Hein, j'ai un rapport charnel, organique, instinctif à la nature. Alors j'ai eu un vrai métier avant de... d'être romancier. J'ai vécu un peu à la ville, dans une petite ville de province, mais les racines, c'est quelque chose qui vous rattrape à un moment donné. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rattrapé. J'écris sur ce que je connais. Si j'étais né en ville à Paris, ben, mes forêts seraient des façades peut-être de bâtiments, enfin, etc. En tout cas... Il y avait vraiment. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est ce qui nous construit littérairement. C'est-à-dire les lectures qui vous construisent. Et moi, les lectures qui m'ont construite, c'est pas la littérature urbaine. C'est-à-dire, c'est les grands espaces américains, c'est les grands romanciers russes, c'est les sud-américains. Et donc, en fait, je me sens bien parmi cette famille-là. Voilà. Et ça me permet de m'éloigner un petit peu du monde aussi. C'est-à-dire de prendre mes distances avec ce dont parlait Serge. Ce truc-là, là, plus rien ne sera comme avant, ces bêtises-là, où on retrouve là, les mêmes qui applaudissent, les infirmières se retrouvent à s'engueuler pour des places de parking 2 jours après, enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Quoi. On oublie très très vite. Et en fait, moi, dans cette... Alors, c'est pas un isolement, je ne vis pas en ermite hein, du tout, hein. Mais en fait, je vis dans une petite maison un peu paumée, et il faut venir à moi, ou je vais vers les autres. Il n'y a pas cet envahissement de la ville je sature assez vite. Je peux l'aimer, hein, j'adore me balader à Paris, j'adore venir de temps en temps, mais j'étouffe au bout de quelques jours par cette espèce d'agression comme ça perpétuelle de peut-être que je suis un peu sauvage, mais j'ai toujours été un peu solitaire, tout ça. Alors pour répondre à votre question, mais c'est vraiment ça, c'est j'écris sur mes fondations, ces fondations-là, je les ai cassées et j'ai essayé de creuser, voir ce qui se passe dessous là. Toute cette terre là que j'ai effleurée dans ma jeunesse. Alors qu'est-ce qu'il y a dessous? Ces humains-là qui m'ont construit, qui ne parlent pas, qui n'expriment pas leurs émotions, comment leur rendre hommage aussi? Mais leur rendre hommage, ce n'est pas les magnifier, parler de la magnificence de la nature. Non, parce que je les aime autant que je les déteste. Hein. Mais en tout cas, c'est de faire quelque chose d'honnête. Voilà, d'honnête et de sincère. Mais c'est très instinctif, encore une fois, très très instinctif.
Qu'est-ce qui a été le plus agréable dans l'écriture de Buveur de vent? Qu'est-ce qui vous a le plus soit surpris, soit plu? Je me surprends en permanence. Alors, joie, bonheur, je ne suis pas sûr, mais il y a des moments comme ça qui vous... Moi, j'adore être débordé, en fait. Je suis dépassé, je suis soulevé. C'est ça qui m'intéresse quand j'écris. C'est pas avoir les pieds sur terre, pas être dans un avion, mais essayer d'ajouter quelque chose, quoi, de créer quelque chose, de créer un monde finalement, puisque peut-être que celui-là ne suffit pas à certains moments. Et quand je me laisse déborder, que je vais sur une route ou sur des eaux comme ça qui me sont complètement inconnues, alors là je me dis pas t'es le meilleur, c'est magnifique, etc. Mais je me dis ouais c'est ça. C'est, là, tu te surprends. C'est-à-dire que là, je termine un chapitre à un moment donné, le lendemain. Alors, je me dis souvent, mais mon pauvre ami, mais pourquoi tu as fait ça, quoi ? Ou tu vas jamais t'en sortir. C'était pas du tout une direction envisageable, pas prévue, mais même pas envisageable. Et alors ça, le lendemain, il y a quelque chose qui se décante. Ou peut-être que le livre s'est écrit à l'avance, ça se décante, et ça devient presque évident. Et on continue. Voilà. Et puis, on recommence comme ça tous les jours, ce travail-là, puisque ça, au bout d'un moment, ça devient de l'artisanat. C'est plus, il y a une espèce de quand je parle d'instinct, quelque chose d'instinctif qui se crée comme ça, un monde qui se crée. Puis après, c'est beaucoup de travail pour que ça tienne, parce qu'il faut que ça tienne. Alors même si on met des cales parfois pour que ça tienne à peu près, mais ça tient. Chabi Molia, est-ce que vous, je ne crois pas, hein, mais est-ce que vous aussi, comme Franck Bouys, vous aimez être dépassé quand vous écrivez, ou est-ce que vous êtes plutôt du style d'écrivain à être au cordeau, à millimétrer? Ah, mais je pense que les deux sont possibles. Je pense qu'on peut se laisser surprendre et terminer par faire un livre au cordeau. Alors, moi, c'est vrai que le point de départ est différent. Moi, j'adore raconter des histoires. C'est de plus en plus, j'ai l'impression que c'est ça, mon métier, c'est raconter une histoire. Et donc, avant de commencer un livre, j'ai besoin d'avoir une histoire. Un début, un milieu, une fin. Et j'ai même besoin... Scénario, on pourrait dire un scénario. Enfin, quelque chose qui, en tout cas, se tient. Il y a plein de projets de livres qui ne sont que des débuts, et il y en a peu qui... Et donc, ils sont abandonnés, comme ça, quelque part, sur mon ordinateur ou dans des cahiers. Et j'ai même besoin de... J'ai une petite cheminée chez moi qui fonctionne encore, et j'ai des petites chaises. Et alors, je mets mes petites chaises, comme ça, autour de la cheminée, je me mets moi sur une petite chaise, et je raconte d'abord l'histoire à des amis, à certains qui sont plus là, malheureusement, voilà. Et j'essaye de raconter une histoire, et je le fais comme ça, jusqu'au moment où ça fonctionne, jusqu'au moment aussi où ça prend de moins en moins de temps, où l'histoire, elle est simple, voilà. Et quand il y a ça, quand l'histoire, je me dis, ah ben c'est voilà le genre d'histoire qu'on pourrait raconter à la veillée, là, je me mets à écrire. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est une catastrophe. C'est-à-dire, rien ne fonctionne plus. Les personnages, c'est malheureusement pas un troupeau de moutons. Il y a toujours un moment où ils veulent absolument pas aller dans la direction où vous voulez les emmener. Ça a rien à voir avec la magie. C'est juste comme ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, un personnage prend corps. Et donc, il y a à la fois, disons, quelque chose de très planifié. Et en même temps, il y a beaucoup de désordre et de surprises. On parlait de surprises, oui, je pense que les bonheurs d'écriture, ils sont aussi là. Ils sont dans... Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'écriture de Des Jours Sauvages ? Ben, je savais que ce serait un livre, je pense que ça a été le livre le plus difficile à écrire et j'ai vraiment douté jusqu'au bout. J'ai dû changer complètement ma manière d'écrire. Je suis revenu en fait à l'écriture à la main, ce que je n'avais pas fait depuis le collège, quasiment. Pour contourner la difficulté du blocage d'écriture. Non, mais encore une fois, je pense que sans du tout dire des choses chamaniques ou quoi que ce soit sur la littérature, c'est vraiment très loin de moi. Je pense qu'à un moment donné, quand vous écrivez un livre, il faut être profondément connecté à ce que vous êtes en train de raconter. Et donc, il y avait quelque chose d'assez contradictoire à écrire un roman sur une île, tout en étant sur un ordinateur connecté aux réseaux sociaux, au monde, etc. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois et ça ne marchait pas. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin, à mon tour, de m'insulariser. Et pour ça, il fallait tout éteindre. Il fallait un cahier, il fallait un crayon, une gomme.
Et il fallait écrire comme le premier roman que j'ai écrit quand j'avais 12 ans, quoi. C'était la même chose, les mêmes cahiers d'écoliers, etc. Donc la surprise, elle a été là. Elle a été dans le fait de devoir tout changer pour revenir à la situation de mes personnages. Et après, il y avait aussi quelque chose de très en phase avec eux, c'est qu'on fait tous cette expérience que le langage, ça ne marche pas très bien. Pour parler de ce qu'on vit dans la nature. Même le mot la nature, c'est pas sûr que ça marche. Moi. La nature, je crois que c'est une sorte de globi-boulga très approximatif. Ça commence où, ça se termine où. Un virus, c'est de la nature, c'est pas de la nature. Voilà. Donc, mes personnages allaient faire en permanence l'expérience d'une vie nouvelle qui exige de passer dans une langue étrangère. Et cette langue, ils doivent l'inventer. Et tous les jours, ils font l'expérience de l'inadéquation des mots. Et donc, moi, bah, forcément, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'était difficile. Et donc, le moment où je suis devenu pour moi-même un écrivain du paysage, je veux dire paysage plutôt que nature, c'est peut-être plus facile, ça a été une surprise et ça a été effectivement un plaisir. Le moment où j'ai, malgré tout, trouvé dans les mots la capacité à écrire les vagues, le ressac... le froissement des arbres, voilà, ça c'est des moments où on se dit bon, je suis un être de mots, je n'aurai pas de vie en dehors des mots, et donc les mots peuvent quand même me permettre de toucher quelque chose qui m'est relativement étranger. Est-ce que vous aviez peur, parce que vous citez Ressac, enfin des mots qu'on connaît tous, hein, mais est-ce que vous aviez peur en les écrivant que ça puisse être perçu comme un cliché, ce que ce n'est pas quand on le lit sous votre plume, mais est-ce qu'il y avait cette crainte ? Bien sûr, et c'est à ça que sert pour moi l'immersion dans les forêts de Nouvelle-Zélande ou dans ma lande bretonne, c'est que c'est aller parler de sincérité, je pense que c'est ça, c'est à un moment donné, le truc très simple à faire, c'est de se dire qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, et donc si j'entends un oiseau qui fait un bruit de jeu vidéo, c'est ça qu'il faut que je raconte, en fait. Voilà. Et ça, c'est... Alors, peut-être que d'autres l'ont fait, mais c'est... À la limite, on est plutôt dans la question du cliché, là. On est dans la question de l'expérience et de la manière dont les mots vont savoir pas nommer, réussir à... Voilà. Savoir nommer. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être entamer un dialogue avec le public. Si vous avez alors déjà lu peut-être les livres qui sont sortis, c'est assez récent hein, quand même la publication, mais certains d'entre vous se sont peut-être déjà jetés sur les livres de nos invités et vous avez envie de prolonger le questionnement ou de nous faire part de vos impressions de lecture et plus... Enfin, de manière plus certaine, vous avez peut-être envie de réagir aux propos qui ont été tenus, de demander des précisions, de nouvelles explications ou de nous faire part de vos commentaires. Ceci étant dit, pour évidemment laisser la palette des interventions la plus large possible au public. Est-ce que quelqu'un fait tourner un micro ? Non, il n'y a pas de micro. Mais je pense qu'on vous entendra. Alors, en revanche, voilà, il faudra quand même lever la main pour réagir aux propos de nos invités. Et à l'écriture, aux questions sur les différentes façons de d'écrire. Alors, la nature, même si ça ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas, ça peut vouloir dire des choses très différentes. Sans micro et avec un masque, c'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Déjà que ce n'est pas facile en temps normal. Mais là, alors là, on multiplie les difficultés. Déjà que ce n'est pas facile sans masque et avec un micro. Mais... Est-ce que Franck Bouys, peut-être que je vous ai un petit peu moins donné la parole qu'à nos autres invités, veuillez m'en excuser, et je vais essayer de me rattraper un tout petit peu. Est-ce qu'il y a, par rapport à la thématique hein, d'ensemble de cette table ronde, un aspect de votre livre que vous aimeriez mettre en avant ? Tous. Il y a de multiples aspects, mais peut-être, pas particulièrement, mais en tout cas, le c'est un roman sur la famille avant tout, je ne sais pas si... Sur la famille et sur mon amour de la littérature, puisqu'il est traversé comme ça par...
par plein de petites références, des petits cailloux que j'ai semés juste pour moi, qui seront difficiles à trouver, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment ce livre surgi de l'enfance, avec ses quatre caractères très différents, et de façon à construire comme ça une espèce d'épopée, quelque chose de presque de mythologique. Et pour ça, j'avais besoin de me perdre moi aussi dans cette histoire-là. Mais les aspects après sociaux, qui pour la première fois apparaissent dans un livre, chez moi en tout cas, ça m'a complètement dépassé. Ça, c'était pas du tout prémédité. C'était pas. Donc il y a de multiples aspects. Enfin, vous êtes content d'avoir pu vous confronter à ça ? Pardon ? Vous êtes content d'avoir pu vous confronter à ça ? Ah, je suis pas content. Je suis pas spécialement content, mais en tout cas, j'ai été étonné quand j'ai terminé le livre de voir apparaître ce truc-là. Bon, évidemment, ça fait peut-être écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui aux problématiques, mais c'était pas non plus prémédité ça. Voilà. Donc, enfin, puis il y a cette trajectoire biblique aussi dont je me suis aperçu au bout du compte. En fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce livre. On peut y faire son miel, je pense. En tout cas, moi, j'ai rarement plaisir à terminer un livre. Et là, j'ai eu plaisir à le terminer. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai eu la sensation de j'étais pas du tout dans une zone de confort. Parfois, je peux l'être. À des moments donnés, quand j'écris Grossir le ciel, j'étais finalement dans une certaine zone de confort, parce que j'ai écrit sur tout ce que je connaissais par cœur. Et là, non, pas du tout. Donc j'étais vraiment perpétuellement sur la crête. Et voilà, il ne fallait pas que je tombe. Et voilà, j'étais finalement... Ouais, t'y es arrivé, là. T'y es arrivé, à terminer ce fichu bouquin. Et ça donne donc Buveur de vin aux éditions Albin Michel. Je vous remercie les uns et les autres. Franck Bouys, donc. Chabi Molia, des Jours sauvages. Ah, il y avait une question. Bah, alors, il n'est pas trop tard. On va vous... Oui, tout à fait. Il y a une filiation, en tout cas. C'est dans Chien loup, je voulais plonger quelqu'un, un citadin, producteur de cinéma, qui se décide à jouer à louer un gîte rural, et qui découvre cette nature et qui est complètement perdu, et finalement qui découvre autant d'exotisme sur le cause de Limogne qu'il en a découvert en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, quoi. Et en même temps, ce qu'il découvre aussi, c'est que cette nature est sauvage, et beaucoup plus sauvage qu'il ne l'est lui-même, finalement, et que la nuit, là-dedans, ça passe à s'entre-dévorer. Les renards qui hurlent parce qu'ils viennent de bouffer une perdrix, que sais-je. Enfin, bon, c'est... Voilà. Et cette incompréhension entre l'homme et la nature. Et là, d'une certaine façon, je vais un peu plus loin en voulant montrer que moi, j'ai une forme de peur qui se divorce entre nous. Et en même temps, l'humain fait partie de la nature. Mais là, on est face à un nouveau conflit qui est plus d'ordre interhumain, mais qui est entre... l'humain et la nature, c'est-à-dire l'environnement. Quoi. On est inquiet, évidemment, à cause de ce virus. Mais enfin, bon, moi, je vois des rivières à sec que j'ai toujours connues avec de l'eau, même en été. Quoi. Je vois des chênes dépérir, des routes sur lesquelles, môme, je faisais du vélo, il y avait de l'ombre. Maintenant, il n'y a plus d'ombre parce que les arbres n'ont plus assez de densité dans les frondaisons. Quoi. Et donc, il y a tout un... À hauteur d'homme, hein, on va dire, sur une cinquantaine d'années, je vois un panorama... les réserves d'eau, là, il y a toujours eu de l'eau, maintenant il n'y a plus que de la vase cette année. J'ai passé l'été à sortir des jets qui étaient piégés dans la vase parce qu'ils venaient boire, mais il n'y avait plus de flotte. Enfin, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc nouveau. Moi, je ne suis pas ni écologiste, ni militant de quoi que ce soit, je suis juste observateur. Et donc j'affine un peu le trait sur ce rapport-là et ce divorce-là, hein, ce conflit qui s'offre à nous. Merci. Voilà, bah, très bien, il fallait une première question et ça va s'enchaîner. À vous, madame. Ah,
Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de la mère qui, elle, ne jure que par le Nouveau Testament, et elle voulait faire 12 enfants. Donc elle voulait asseoir 12 apôtres à sa table. Sauf que ça capote un peu, si je puis dire, avec Luc. Et donc, finalement, elle est obligée de débaptiser deux de ses enfants, et ça devient les quatre évangélistes. Donc il y a Marc, Matthieu, Luc et Jean. Sauf que tout le monde l'appelle Jean Mabel. Et donc ça rend furieuse sa mère. Donc la trajectoire biblique, elle part de là, en fait. Et après, elle prend un aspect complètement différent. Parce que c'est aussi, ce livre-là, c'est aussi une histoire de rédemption. Mais je ne peux pas trop en dire. Mais oui, parce que moi, j'ai eu une éducation religieuse comme beaucoup de gamins à la campagne, mais je m'en suis sorti. Mais en revanche, j'adore lire des passages de l'Ancien Testament. Je trouve qu'il y a des psaumes, le livre de Jacob, il y a des moments de pure poésie. Voilà. J'aime beaucoup picorer de temps en temps cette... Puis ça vient aussi des grands romanciers américains qui ont revisité ça. Les Steinbeck, les Faulkner, les Erskine Caldwell, les Thomas Wolfe, tout ça, ce sont mes grands anciens, ceux qui m'ont inspiré, enfin ceux qui en tout cas m'ont donné l'autorisation, la permission d'écrire. Alors, cette fois-ci, je crois que je dois conclure et vraiment vous remercier tous les trois. Franck Bouise pour Buveur de vent, aux éditions Albin Michel. Chabi Molia des Jours sauvages au seuil, collection Fiction et compagnie. Et Serge Joncourt pour Nature humaine, aux éditions Flammarion. Et évidemment, merci au public.